Ici, tout est pentu. Il faut un effort de loin supérieur à celui des terres plates, n'est-ce pas? Et l'hiver, il faut peler la neige, il faut couper du bois pour se chauffer. Donc, simplement le fait de vivre exige une robustesse et une volonté d'en découdre. Et une, voilà. Obligé d'être dur, d'être solide, et ainsi de suite. Et à force d'être valorisé en étant dur, eh ben, t'oublies et tu perds la faculté d'être doux et de ne pas savoir, de pouvoir dire « Ah non, moi, je peux pas, j'arrive pas, je sais pas. » Oui. Un thé. Ouais, c'est déjà prêt. Viens. Merci beaucoup. La crélito dehors, on ne peut pas dessiner quand il fait froid comme ça. Non, ça ne gèle pas, mais ça ne marque pas. Il y a de la cire dans la craie, et puis tu appuies sur le papier, et puis ça... Est-ce que la cire gèle? La cire gèle, oui, je pense. Et là, il a fait moins 10. Hein. Ouais. Moi, je dis que je pourrais passer l'hiver avec 3 noix. Hein. Celui-là, il a été fait le matin. Celui-là, il est fait l'après-midi. La lumière est légèrement différente. Le problème n'est pas résolu, quoi. On pourrait revenir demain matin avec exactement la même intensité de plaisir, de ouais. Voilà. C'est toujours un enseignement. Je suis natif du lieu de Prat-Fort. À 200 mètres d'ici, famille de paysannerie de montagne, on ne peut plus simple. Mon père avait un petit bétail, fils unique. Maman a perdu 3 enfants avant moi. Rescapé comme ça, je suis né, je pesais 1 kilo. Ça fait pas lourd quand... J'ai eu une enfance absolument fantastique.
Avant, ici, quand j'étais tout petit encore, il y avait une foi catholique rigoureuse. Mais à partir du moment où le tourisme s'est développé, il y a eu cette émergence d'une nouvelle religion qui a été, youpi, le fric. Moi, je voyais cette société de consommation qui n'avait que le profit, la cupidité, la stupidité profonde. J'avais une sorte de sainte colère comme ça, où je me disais, mais c'est pas possible. Donc, pour ne pas entrer dans une espèce de résistance violente, peut-être trop extrême, quand j'avais 20 ans, j'ai passé une sorte de crise mystique, une retraite forestière comme ça. J'avais pris refuge. C'était pas apprendre à danser avec les loups, mais danser avec les arbres. Il me semblait que c'était des alliés, que eux pouvaient remettre mes désordres en ordre, comme ça. Après cette retraite en forêt, j'ai quitté le Valais après ces années de révolte comme ça. J'ai vécu pendant 15 ans dans des communautés artistico-psychanalytiques viennoises. On allait dans l'extrême d'une révolte pratiquée. C'était l'abolition de la propriété privée, de la sexualité privée, des émotions privées, Alors, c'est là où j'ai découvert avec effroi et fascination que j'avais autant de stupidité, de bêtises et de conneries en moi que celles dont j'accusais les autres à l'extérieur de moi-même. Du coup, un intérêt réel et sincère pour aller essayer d'y voir plus profondément et de comprendre un peu plus d'où venaient ces choses, de quoi elles étaient faites, et essayer de les recycler et de les rendre utiles et non plus toxiques. Donc après ces 15 ans, c'est la peinture, en quelque sorte, qui m'a ramené au pays. À un certain moment, je me suis dit, si je veux faire quelque chose qui soit vrai et juste en peinture, il faudrait que je retourne là où j'ai ouvert les yeux sur la planète, c'est-à-dire dans le Val Ferret. Je me suis mis en autodidacte, en quelque sorte, à l'étude.
sont des tentatives. Et puis voilà, on s'approche, on essaye de s'accorder. C'est cet accordage intime qui est recherché comme ça. Qu'on entre dans une relation honnête et juste, c'est tout. Et maintenant, je ne veux plus changer personne ou quoi que ce soit. Je n'ai pas d'aspiration politique autre de trouver un langage ou un territoire de partage. Pierre, il revient toujours, toujours heureux. Il revient avec les esquisses qu'il va travailler à l'atelier après. Et je vais toujours les voir. Pierre-Yves est déjà pas quelqu'un de typique, nulle part. Même s'il a des fois des côtés aussi un peu difficiles, justement, révolutionnaires, mais il a un cœur vraiment très, très ouvert. Pas seulement pour moi, pas seulement pour les humains, pour la nature, pour les belles choses, pour la musique. Je pense que c'est ça, le plus important. Avec Marlise, j'ai appris à dire « je t'aime » tout court, sans rien derrière. Waouh, c'est énorme. Je perds l'habitude de cuisiner. Parce que lui, il cuisine tellement bon que j'ai plus envie de faire moi. Voilà, un petit roc d'hiver. Écoutez, bon ami. Bon appétit. J'ai appris avec Marlise la tolérance, la générosité. Ouais, c'est-à-dire, j'ai appris. J'essaye. J'essaye d'apprendre. Ça marche pas. C'est pas aussi facile que ça. Des fois, je suis d'une brutalité. L'année passée, j'ai blessé un ami très. Très lourdement, comme ça. Avec mes convictions à la con, comme ça. On va voir si on arrive à restaurer cette histoire. Je suis d'un verbe très tranchant, très sévère et tout. Ça fait parfois de la casse. Mais avec Marlise, pas. Ou en tout cas, on arrive à... Oui, des fois, ça explose. Ouais, mais ouais. Après, on a tout notre temps de discuter. C'est ça, le secret de toute notre histoire. C'est qu'on n'attend pas que de la saleté s'accumule sous les tapis. Moi, elle prend l'entier du bonhomme, qu'elle se débrouille. Alors, ma foi, tant pis pour elle, si elle a choisi un âne. Mais même les ânes ont quelque chose de tendre, non ? Thank you.
n'est pas dans les schémas. Jamais j'ai l'impression que je suis une femme et lui, l'homme est plus fort. Jamais. Moi, j'ai jamais rencontré un homme qui comprend tellement bien les femmes. Avec lui, je peux parler comme avec une femme. Et je connais pas d'autre homme où c'est la même chose. Il fallait choisir. Si j'avais eu des enfants, je n'aurais jamais pu mener la vie que j'ai menée. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui coule là-dedans, qui coulerait dans l'idéal si j'avais des enfants. Une vraie peinture, c'est un acte d'amour pour le monde, pour la lumière, pour la beauté. C'est ce que l'on aimerait pouvoir donner si on avait des enfants, si on n'était pas handicapé du langage dans ces termes-là, dans l'expression de la tendresse, de la douceur, de l'affection, si on osait toujours, si tous les papas savaient dire les mots réconfortants, les mots tendres, savaient dire à leurs enfants « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tu ne pourras jamais savoir combien je t'aime. Shel shoshanim etenna elabustam mo besamim ulevona leraglech miftan laila yored leat veruach shoshan noshava Ava el chashlach shir balat Semer shel ahava Goldie, Krigeli, hein? Krigeli, coco, coco, viens mon bébé, viens, bibibi, Krigeli. Des théories alors, hein? Il fait froid. Oh oui, 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 oui. C'est pas vrai, viens là. Machine, non. Elle raconte n'importe quoi. Je vais chercher l'eau. Pas mal, hein? Chacune a sa couleur. Bianca, Goldie, Caramel et Krigeli. Krigeli fait des œufs verts, turquoise. Mais c'est joli, ce fils.
ça passe ou ça craque. Le pire ennemi de la gravure, c'est l'impatience. Aïe. Ça ne pardonne pas. Si on se laisse prendre par l'impatience, ça va foirer. Soit que j'ai bâclé des hachures ou j'ai sorti la plaque trop tôt de l'acide, la morsure n'aura pas marché et tout ça. Quand j'ai une plaque où je me dis, tiens, c'est pas trop mal, peut-être que ça mériterait vraiment un bon tirage, alors je l'envoie à Catherine McCready, qui est ce qu'on appelle en France les meilleurs ouvriers de France, ou au Japon, c'est trésors nationaux vivants, qui sont dépositaires d'un savoir et d'un vrai métier. On découvre l'image, et puis après on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a en elle? Et puis c'est qu'après la première épreuve, en fait on ne sait pas, c'est la découverte même pour moi, et puis après on se dit, bien, alors il faudrait peut-être un petit peu plus de pression, il faut charger l'encre, ou il faut lâcher, ou il faut essuyer autrement, il faut avoir la main plus légère. Il faut aussi essayer de capter la personne, ce qu'il voudrait dans son œuvre, et le lui rendre. Il ne faut pas seulement donner notre lecture de l'œuvre, mais qu'il se retrouve dans l'œuvre aussi en amenant une petite surprise, si on peut. Voilà. Mais il est très généreux, Pierre-Yves, dans son appréciation du travail. Allô, Pierre-Yves ? Chic, alors. Wow. Tu as eu de la neige en route ? On a eu des gros flocons ici. Ouais. Entre Lausanne et la Sarre. On peut la mettre sur la plaque chauffante ? Super, merci wow. bien. Alors, tu vas voir ce que ça a donné. Il y a un noir chaud, un noir froid, et puis des chines gris et des chines chauds. D'accord. On a une bonne lumière, la face à la... Ouais. Voilà, c'est joli. Alors là, on a la comparaison d'un froid et puis d'un chaud. Tu vois? Oui. C'est beau, oh, Catherine. Alors voilà, c'est un choix, magnifique. Là. Ces quatre ici sont parfaits. Alors, comment choisir? Mais tu sais, on n'a pas besoin non plus d'avoir une chose. Elle est tirée en variante. Oui, oui. Elles sont toutes magnifiques, alors incroyable, incroyable. Elle est un peu dorée comme ça. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Quand on pense faire beau, il n'est pas sûr que ce soit bon. Il faut s'en tenir à ça. On ne sait rien du tout. On essaye, c'est tout. On essaye avec tout ce que l'on a de soi à donner, sans épargner, sans avarice. On avance sans filet, j'ai pas de salaire, j'ai rien du tout, donc
Inch'Allah, quoi. Et puis, je suis porté de toute évidence. Et il m'est permis, malgré le peu de métier que j'ai, quand même de pouvoir traverser une vie en compagnie de Marlise, qui a le bonheur simple et qui se contente d'un bouquet de fleurs des champs. Et voilà. Alors, je suis riche. Même si on a vécu des phases difficiles, je crois que l'amour, ça grandit toujours plus. Ouais. Je l'aime aujourd'hui, après 30 ans, je l'aime plus qu'au début.